Alors ce document-là, il présente un programme qui s'appelle le programme MTDAN. Et est-ce que vous savez ce que c'est que ce programme ? Non ? Alors c'est un programme qui a été mis en place par l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est l'endroit où je travaille. C'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ça consiste à proposer aux familles des rendez-vous gratuits chez le dentiste à partir de 3 ans et jusqu'à 24 ans. Et ce, tous les 3 ans. 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 21 et 24. Alors pour vous, quel sera le prochain rendez-vous proposé par l'assurance maladie ? Voilà, celui des 15 ans. Donc vous allez recevoir, vos familles vont recevoir ce document, enfin pas tout à fait ce document, mais un document explicatif concernant le programme MTDAN. Donc ce qui serait intéressant, c'est que ce soir, quand vous rentrez à la maison, c'est de leur montrer ce document et de leur rappeler qu'il existe ce programme qui permet d'aller gratuitement chez le dentiste. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'avancer d'argent. Il suffit d'emmener ce document-là qui est joint au courrier. Et avec ce document-là, le dentiste va tout simplement renvoyer une partie du document à l'assurance maladie pour se faire payer. Parce qu'évidemment, c'est gratuit pour la famille, mais c'est payant en réalité. Le dentiste, il ne travaille pas gratuitement. Et s'il y a besoin de soins suite à la consultation, s'il y a des caries, s'il y a des tartrages à faire, s'il y a différents soins à effectuer, ces soins seront faits de la même façon gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à payer. Il n'y aura pas d'argent à avancer. Donc tout ça, ça permet quand même un certain avantage pour beaucoup de familles. Donc, autant en profiter. Ces rendez-vous, vous l'avez compris, ils ont lieu tous les 3 ans. Est-ce que tous les 3 ans, c'est suffisant pour vous ? Est-ce qu'aller chez le dentiste tous les 3 ans, c'est... Une fois par an. Dans l'idéal, une fois par an.